Salut à tous, on se retrouve sur les quais de Bordeaux, cette ville pleine de vie et d'opportunités, pour te présenter le Master Langue, Affaires et Interculturalité de l'Université Bordeaux-Montaigne. Si t'as atterri ici, c'est que tu te poses des questions sur notre Master. Eh bien, tu es au bon endroit pour tout savoir sur la formation LAI. Le Master LAI est divisé en trois parcours différents. Le parcours événementiel, le parcours 20, et enfin celui de management de projets transfrontaliers et internationaux. C'est donc de ce dernier dont nous allons te parler plus précisément aujourd'hui. Il faut savoir que le Master LAI est une formation pluridisciplinaire, très enrichissante et appréciée des entreprises. Mais tu vas mieux comprendre pourquoi dans cette vidéo. Allez, on t'embarque avec nous pour en apprendre un peu plus sur cette formation. C'est parti! C'est une multitude de matières complémentaires, tout aussi enrichissantes les unes que les autres. Tu y trouveras certainement ton bonheur. Tu trouveras des cours de relations internationales et interculturelles qui te permettront de t'ouvrir encore plus au monde et d'enrichir ta culture. Tu pourras étendre tes compétences juridiques et en économie pour t'accompagner au mieux dans ton parcours professionnel. Tu auras également une matière de community management, domaine en plein essor aujourd'hui, qui te permettra de développer tes connaissances et compétences numériques, notamment à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment top. Mais surtout, tu auras l'occasion de t'initier ou d'approfondir tes compétences en management de projet avec les différents cours dédiés dans le parcours que nous allons te présenter aujourd'hui. Comme le dit son appellation, le Master LAI, c'est tout d'abord des langues. En effet, tu auras deux langues différentes tout au long de ton parcours. Tu pratiqueras l'anglais et tu pourras choisir parmi un vaste choix de secondes langues. Parmi elles, il y a... Espagnol. Italiano. Portugais. Nihongo. Al-Arabia. Deutsch. Ruski. Alors, tu trouveras sûrement ton bonheur. Maîtriser deux langues étrangères, c'est élargir ton champ de compétences considérablement. En effet, cela te permettra de te mettre en avant auprès des recruteurs qui recherchent des profils à dimension internationale. Enfin, ce parcours te spécialisera dans la gestion de projets et la coopération internationale, tout en te rendant polyvalent avec les diverses matières complémentaires. Tu auras différentes matières de pilotage et de conduite de projet tout au long de ta formation, ce qui te permettra de connaître tous les enjeux et les rouages de la gestion de projet. Ici, c'est ce que tu veux entreprendre qui compte. Ne laisse pas la mention LEA t'intimider. Que tu viennes d'une formation LEA ou non, peu importe. C'est ta motivation et tes projets qui comptent. Si tu es motivé, tu as largement ta place au sein du master. Au sein de notre promotion cette année, on a des profils complètement différents. Il y a des diplômés en langues étrangères appliquées, LEA, en langues, littérature et civilisation étrangère, LLCE, mais également en histoire de l'art. De plus, les profils différents sont ceux qui font la force du master. Et la notion d'interculturalité n'est pas seulement présente dans les cours, elle l'est également chez les étudiants de la promotion, comme tu vas le voir. Moi, je viens du Mans. Moi, je viens de Braga, au Portugal. Je viens de Strasbourg. Je viens de La Réunion. Moi, je viens de Clermont-Ferrand. Je viens de Toulouse. Je viens de l'île Maurice. Je viens du bassin d'Arcachon. Je viens du Sénégal. Je viens des Landes, dans le sud-ouest. Je viens de Bretagne. Moi, je viens de Martinique. Comme tu peux le constater, nous ne venons pas seulement de Bordeaux ou de la France métropolitaine. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Tu viens de l'autre côté de la planète ? Pas de souci. Tu es le ou la bienvenue. Au cours de la formation, tu seras directement impliqué dans la gestion de projets à travers différents projets de groupe et tu seras formé par des professionnels du secteur, ce qui n'est pas négligeable. De plus, durant ta formation, tu acquerras des connaissances larges et pluridisciplinaires que tu pourras adapter à ton projet. Enfin, le master te permet de faire un stage facultatif à la fin de ton M1 si tu le souhaites. Mais surtout, il te permet de faire un stage de fin d'études de 6 mois dans tout type de structure à dimension internationale. Et tu pourras même le faire à l'étranger. C'est l'occasion rêvée de mettre en pratique tout ce que tu as appris. Autant dire que le master te donne toutes les clés pour réussir ton insertion professionnelle à l'issue de la formation. Que ce soit dans le privé, le public, en entreprise ou en association, le master prépare à de larges débouchés et tu peux facilement l'adapter à ton projet. Au-delà des connaissances géopolitiques, juridiques, numériques et sur les programmes de coopération européenne et internationale entre autres, tu auras les compétences pour être chargé de mission pour favoriser la coopération transfrontalière, pour organiser des événements à dimension internationale,
pour être chargé de projets dans la coopération universitaire, territoriale ou dans de nombreux autres domaines. Quelques anciens étudiants témoignent sur comment le master les a aidés à rentrer sur le monde du travail. Et voilà, on arrive au bout de cette présentation vidéo. Tu as maintenant toutes les clés en main afin de prendre la meilleure décision possible pour toi et pour ton avenir professionnel. Nous te souhaitons beaucoup de réussite dans tes projets. À bientôt peut-être.